C'est parti pour la VOD. Nous sommes sur le deuxième jour passé sur le jeu. Alors on coupera la VOD normalement dans pas beaucoup plus d'une heure parce que Nintendo Direct on va te suivre ensemble. Et après on retournera sur le jeu. Hein. Mais du coup voilà, ce sera une VOD plus petite que les précédentes. Ce qui est pas plus mal, franchement. Parce qu'hier elle durait plus de 2 heures. Oh, ah, j'ai eu peur. J'ai cru que ma cam elle avait bugué. J'ai laissé ton live en gosse, du coup j'ai tout récup, nice. Voilà, ma petite... Oh non, ça lag. Ah non, c'est normal. Hibou Express. Oh, qu'est-ce que c'est? J'ai des trucs, j'ai des messages. Vous recevez des Hibou Express lorsque des personnages que vous avez déjà rencontrés ont une demande ou une information à vous communiquer. Professeur Fig, qu'est-ce qu'il veut? Venez me voir, j'ai fait une découverte au sujet du médaillon des Gringotts. Ok, trop bien. Dans les égouts, on est en fait sous le lac. C'est encore plus stylé. Et du coup, par les fenêtres, faut qu'on fasse des tests. On m'a dit un truc hier, on m'a dit qu'il y avait un easter egg. On va le tester, on m'a dit, je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais faut tester un truc. Mais oh, lire le courrier. Non, monsieur, trop mignon. C'est trop mignon, t'as une petite chouette et tu vas voir la petite chouette pour lire le courrier. Trop pute. Non, mais j'aime beaucoup, en fait. Plus je passe du temps ici, plus j'aime cet endroit. Et on est, en fait, littéralement sous le lac. Et regarde. Ah, merde, c'est pas là. Quand tu vas dans la salle commune... Ah mais c'est trop stylé, hein, moi c'est presque mon rêve. Hein. Quand tu vas dans la salle commune, les fenêtres, c'est en fait le lac. Juste un rêve pour moi, ça. Alors. Bah qu'on me saoule ce soir. Y'a tout qui va pas. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas ça. On m'avait dit, en spammant, genre un sort, mais je sais pas si c'était Revelio ou autre chose. Oh! Elle crame ma baguette. Bon, je pense que c'est un faux chat, mais ouais, je teste, hein. Mais je sais plus ce qu'on m'a dit, quel sort on m'a dit, par contre, c'est peut-être pas Revelio. C'est un autre sort. Où on met de la lumière. Lumos. Oh, les poissons ils viennent à moi quand je mets de la Lumos. Oh, c'est trop mignon. Regardez, ils viennent à moi. Mais n'est-ce pas fantastique? Je suis sûr qu'on verra une sirène un jour. Je suis sûr que notre quête sera de voir une sirène. Attends, dès le premier truc on nous dit oui. Je vois ce que tu veux dire. Oui, voilà. Les premières années ils pensent trop qu'il y a des sirènes dans le lac qui sont trop cons. Moi je suis sûr. Je suis sûr qu'on aura un truc là-dessus. J'imagine que c'est stylé, mais du coup, je suis passée en 160p, un peu la rage. Ah oui! Oh la vache! Ah ouais, d'accord. Ah ouais, un peu compliqué ce soir. En fait, les poissons, ils sont à la fenêtre. J'ai un dragon en Patronus. Bah moi, ce sera, si c'est lié au site, moi ce sera un oiseau. Je sais plus lequel. Oh, attends. Regardez. Il y a un truc énorme. Il y a un truc énorme, il y a un kraken. Il y a un kraken. On voit des énormes... Mais what? Il y a littéralement un kraken, il y a des énormes tentacules. Mais genre personne réagit, il y a que moi qui le vois. Wow. Je me demande... Passe de HD à pixel, ça brûle les yeux. Ah bah c'est un petit peu l'équivalent de se cramer la rétine, hein, je pense en downgrade. Hein. Mais on a vu des tentacules immenses.
Et genre personne, tout le monde il est dans la salle tranquille en mode je sais pas. Attendez, c'est encore bien plus stylé qu'une sirène, des tentacules. On a juste vu un kraken en fait. L'école des moldus est tellement ennuyeuse par rapport à Poudlard. Enfin, j'imagine. À l'école des moldus, ouais, ça fait chier, mais ça apprend un métier, ça, monsieur, au moins. Mais bon, hein, c'est marrant, mais c'est quoi le métier de sorcier? Genre, t'es payé pour quoi quand t'es sorcier? Non, non, tu passes en HD. Mais en fait, c'est arrivé, je ne sais pas comment. Peut-être en restant un certain moment, je me suis promenée. Et au moment, j'ai même cru que c'était un bug graphique. Je vois un truc immense passer devant la fenêtre et c'était des tentacules. Mais j'ai rien fait, je me promenais avec ma lanterne à la main comme je fais actuellement. Et voilà. Pas si on le reverra, hein. Pas tout de suite, peut-être, hein. J'ai vu aussi le nuage de pixels. Non, si je pouvais te le remontrer, si je savais ce qui... Parce que j'ai rien fait, je me promenais avec ma lumière. Donc si je savais... Je vois ce que tu veux dire. La dernière fois, si je savais ce qui avait provoqué l'arrivée du Kraken, je le referais. Parce que j'ai assez mal vu, moi aussi, de mon côté. Oh là là, regarde! Ah, c'est juste quand on... Mais ça passe à travers, par contre. Ça, c'est des gros détails, hein. Ça se dit pas, mais là, ça passe à travers la roche. La tentacule. C'est très stylé de voir ça. Mais très dommage que ce soit pas... Bah, que ce... Il n'y ait pas de finition, en fait. On peut finir au liquide urinaire, c'est un peu dommage. Mais on a un kraken. Il y a un kraken dans le lac tranquille, c'est notre poteau, il me fait des coucous par la fenêtre et tout. Non, trop bien. Mais je pense que si j'avais pas fait la lumière, peut-être qu'il viendrait pas, parce que les poissons sont attirés par la lumière, donc peut-être que le kraken aussi. Genre si tu restes longtemps avec ta lumière devant la fenêtre, il vient. Mais c'est juste... Non, c'est juste trop bien, hein. Après, les blaireaux, ils sont à côté de la bouffe. Ça se défend. Franchement, en termes de swag, ça se défend. C'est dangereux quand même. Si on n'a pas peur quand on est serpentard. On n'a pas peur. C'est ça que je vais faire. Alors, je voulais voir mes skins. Oh, oh là là, mais quel plaisir quand même ce jeu. Ces petits easter eggs, j'espère qu'il y en a partout. Alors, j'avais acheté une tenue ou une cape. Déjà, ça, c'est le cap pourri alors que j'ai une super transmo. Voilà. Oh, on peut mettre la capuche. C'est trop dark! Ouah! C'est trop dark! Ça, c'est petites robes de chambre. Elles sont pas mal, hein, mais c'est clairement des robes de chambre. C'est-à-dire que jamais je mets ça en dehors, voilà. Et ça, c'est ma tenue, ça. That's my tenue. Est-ce que je suis trop dark? Qu'est-ce que j'ai acheté hier? J'ai oublié, moi. Hein. Ah, j'ai acheté un chapeau! J'ai pas oublié. Peut-être pas le transmo parce qu'il est très beau ce chapeau. Il est mieux que ce que j'avais ou pas? Je sais même pas moi. Changer d'apparence. C'est que de l'apparence. Ah oui, c'est que de l'apparence. Ah non, attends. Ah, je peux mettre cette apparence peu importe le couvre-chef que j'ai. Punaise, tu débloques les transmos. Non mais c'est lui qui est le meilleur. Hein. Moi je garde hein, celui-là, c'est un légendaire. Alors ça ne va pas du tout avec le reste. Il va falloir qu'on se trouve une autre cape. Hein. Ça j'en conviens. Mais que vous le voulez. Pour le moment j'en ai pas. C'est quoi comme tenue, ça? Super. Celle-là est mieux, celle-là est mieux, celle-là est mieux. Ah, celle-là est peut-être mieux. Mais celle-là est mieux, je vais la mettre et je vais la transmo. Je veux pas rester comme ça, faut pas déconner. Hop. Voilà. Accessoire de visage. What I've got. Les lunettes. Oh, quelle horreur. Celui-là, il est plus collé. Celui-là, il flotte vraiment, on dirait. Mais je le garde. Franchement, c'est devenu mon accessoire. Je l'aime bien. Ok. Mais sinon, moi, je veux... Oh, mais attendez. Mais avec les drops.
Comment je récupère les trucs avec les drops, moi? J'ai débloqué des trucs avec les drops, je les ai... Oh, je les ai pas récupérés dans Twitch, je crois. Merde. Parce qu'il y a des lunettes de ouf. Attendez. Drop et récompense. Ensemble. Nananana. Compte de jeu lié. Oui. Obtenu. Donc c'est bon, je les ai récupérés. Mais pourquoi il... Pourquoi je les ai pas... Pourquoi j'ai toujours des trucs chiants comme ça? Je les ai pas là, alors qu'il y a des lunettes trop stylées. Enfin, trop stylées. Vraiment, qui m'aimerait bien. Mais c'est que je les ai récupérés alors. C'est écrit obtenu. Quantité 1, quantité 1, quantité 1. Non, bah c'est bon alors. Mais pourquoi? Pourquoi que je les ai pas dans le jeu? Peut-être qu'il faut les récupérer quelque part. Ou les acheter. Ou peut-être qu'on les débloque, mais on les a pas. Ou faut, je sais pas. Parce qu'il y a genre des lunettes. Et moi, ça me plairait de ouf d'avoir ces lunettes-là. Équipement, ouais, j'ai que ces... C'est des lunettes de yeux de dragon chelou. Oh, j'ai des manches en baguette. J'aime pas du tout, du tout. Non, sans manches. Ma petite baguette là que j'ai récupérée hier. Inventaire. Peut-être dans mon inventaire les drops. Parce qu'avant de lancer le jeu, j'ai regardé les récompenses. Ah oui, ça c'est ce que j'ai acheté hier. Collection. Ou défi. Mais non, c'est pas un défi les drops. C'est pas un défi. C'est pas grave, écoutez, on verra. Merci à Transmo. Ouais, franchement, c'est bien. Et on peut aussi enlever les. Vous pouvez enlever, il me semble, les masques aussi, les effacer et les chapeaux. Si vous voulez avoir votre visage pas trop caché. Parce que les masques, etc., ça rapporte quand même de l'armure et peut-être plus tard des buffs aussi ou des trucs spéciaux. Ça va, petit Gaël? Et bon, bah avec ça, on a discuté avant. Donc, je te demande comment ça va. Je sais un peu, tu m'as raconté les dernières nouvelles. C'est un blend de souffle. Mais oui, mais c'est parce qu'il est blaireau, Hertz, justement. Hertz et Bléro, c'est pour ça qu'il parle des pauvres souffles. Faut que j'aille faire le truc du médaillon ou quoi? Joute magique. Ah, faudrait que je parle à Lucan. Barthélemien. B. Je mets mon pyjama dehors et je suis un blaireau. Meilleure excuse pour tout. Vive les blaireaux. Ouais, ouais. Non, moi j'avoue que il y en a plein qui la mettent, hein, la tenue robe de chambre, mais moi vraiment je trouve que ça fait trop robe de chambre en fait. J'ai pas beaucoup visité. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à trouver ici? Attendez, j'ai un petit bruit là. Ça fait un petit ding. Non, bah c'était peut-être juste un bruit. C'est un coffre pour moi, ça. What the fuck? Ouais. Alors, c'est assez intéressant que le jeu, j'ai l'impression qu'il met mon personnage de dos devant le miroir. C'est très bizarre. Il y a des bruits chelous, non? Manger une poire, tiens. Je suis pas du tout dans mon dortoir. Hein. Non, c'est... mais je viens de là. Ah oui, je suis pas beaucoup allé par là, on va voir. Pas beaucoup de secrets ici. Hein. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est au niveau 2. Okay. Gâteau. Ah, ça par contre. Les gâteaux. Moi, je bouffe les gâteaux. Et là-haut? Réveillon.
Moins intéressant à trouver. C'est joli, mais on s'y fait chier. Et toi? Mais il y a des choses derrière toi, dis donc. Niveau 3. Non, je vais pas descendre du tout. Je vais pas monter, je vais descendre. Je suis pas fan de mon... moi, j'aime mon masque. Comme ça, on n'a pas ces expressions cheloues quand elle est soi-disant paniquée, mon perso. Les cheveux actuels, ils sont bien, ouais. En fait, au départ, j'avais... Il y avait des cheveux longs qui étaient très jolis, hein. Mais je l'avais vu sur les streams et ça, c'est dans plein de jeux. Les cheveux longs très jolis, c'est peut-être bien, mais ça passe son temps à passer à travers les vêtements, les éléments d'accessoires et tout ça. Et moi, du coup, je trouve que parfois, c'est vraiment trop, quoi. Du coup, bah, j'avais choisi d'avoir des cheveux attachés. Effectivement, c'était un peu pourri. Et voilà. Là, Et puis les cheveux bleus, parce que au moment de la création des... Enfin, c'était des cheveux bleus gris, parce qu'au moment où j'avais créé le perso, les cheveux rouges chelous, là... Bah, ils étaient encore plus ternes. Là, bon, ça va un peu mieux. Mais les couleurs sont très, très ternes. Et du coup, je m'étais dit, bon, bah, je choisis une autre couleur, alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi, quand je m'en vais d'une pièce, il y a tout qui explose et du coup, je rate tout? Ah, c'est toi qui as fait du bruit, je suis sûre. Arrête de me stresser, hein. Qu'est-ce que vous mijotez? C'est toi, qu'est-ce que tu mijotes? Bon. Bah, je m'en vais, madame. Moi, je m'en vais. Regardez, regardez ça. Ça chie de la classe de partout. Hein. J'adore cette expression, elle est tellement horrible. On chie la classe. Perso qui clame dans les salles, c'est souvent par contre, ça pète l'impression, j'espère qu'ils vont corriger ça. Perso qui glande dans la salle. Tu veux dire la manière d'interagir qui est pas terrible? Ah non, ça j'avais déjà fait. Bon, j'ai une quête, je pourrais me TP, mais on va se promener un petit peu, comme ça on va peut-être débloquer des trucs. Et puis si vous savez comment aussi utiliser les drops, vous me dites. Hein. Ouais, tout qui se charge au moment... Au moment où on passe une porte, à chaque fois. Du coup, toujours des petits lags. Donc ça fait pas imploser mon PC, moi j'accepte des temps de chargement. Juste pas que tout pète un câble. Mais où suis-je? Tocading, mais je ne sais pas ce que c'était. On entend des gros bruits tout le temps partout ici. Du coup c'est un petit peu difficile parfois de se rendre compte ce qui est... Un truc intéressant de ce qui ne l'est pas. C'est au-dessus de ma tête en fait. C'est ici. Ah. J'ai eu peur, pardon, j'ai sursauté. Si l'on en croit les rumeurs, Sir Cadogan aurait été ami avec Merlin. Ce qui lui aurait permis de devenir l'un des chevaliers de la table ronde. Pourtant, il est connu que dans le monde des sorciers, notamment en raison de sa victoire face à la vouivre de Wai, je sais pas. Ouais, bref. Passe désormais ses journées à provoquer les élèves en duel. Sir Cadogan. Les salles communes, le grand hall, tout ça. Si t'es proche d'eux, les visages, ça va. Mais si tu t'éloignes... Ah ouais. Ça fait mannequin avec aucune expression. Ouais, bah en plus ça, je pense que c'est dû aussi au fait que j'ai dû réduire un petit peu mon champ de vision ou des trucs comme ça parce que bah j'ai mon stream qui a encore planté là tout à l'heure quand j'ai lancé le jeu, donc vraiment vraiment j'ai des sous. Du coup bah en plus ça va accentuer cet effet quoi.
Ouais, mais si on avait déjà bien fouillé. C'est par là. Est-ce que si je prends cette porte, ce sera bon? Mais on trouve un rendu sur les persos. Oui, oui, et puis bon, bah, le... Il y a plein de... Effectivement, sur les PNJ, il y a plein de trucs qui... Qui vont pas, hein. Bah techniquement il est pas à la pointe le jeu, hein, clairement. Je le trouve très cool mais techniquement il est un peu daté. Mais bon bah malgré le fait qu'il soit un petit peu daté, et ben là j'ai des frises de ouf là par exemple. Oh j'ai les micro-frises alors je les avais pas avant. Je vais fermer mon rendu Twitch, ça va peut-être aider. J'ai toujours ces frises là. Hein. Bon. Excusez-moi. On va faire un test. Voilà. Je vais mettre en capture d'écran et pas du jeu. Et puis on va voir. Mettre là, comme ça vous avez toutes les infos de mes sorts en dessous. Ça va mieux. Limiter la profondeur de champ à mort. Ah pas du tout à mort, je vais me passer de élevé à moyen quoi. Mais ma voilà. Oh c'est les... Comment ça s'appelle les lettres qui t'engueulent parce que ta maman te met un message dedans méchant? Beuglante. Ma grand-tante était une pauvre souple. Elle dit qu'ils ont la meilleure salle commune parce qu'elle est très calme par rapport aux autres. Il faudra qu'on trouve le temps d'étudier plus tard. La salle commune est un peu bruyante ces derniers temps, donc je vais souvent à la bibliothèque. Bah oui, aller à la bibliothèque ça sert à ça, étudier hein. Pardon. Faut que je monte. Ils sont mignons à Poudlard, hein, mais ils sont vraiment idiots. Hein. Bonjour! Il y en avait un qui disait: je me demande pourquoi les salles. C'était un accident! Oh, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas faire ça. Désolé. Il disait: je me demande pourquoi les salles communes sont fermées, ont des entrées secrètes. Qui vous. Ont des entrées. Putain, c'est. Des entrées secrètes, qui voudrait aller dans la salle commune de notre maison? Comment tu vois? Pour une partie de Quidditch, comment certaines maisons sont prêtes à se battre à mort et à tout défoncer pour avoir quelques points? Oui, il pourrait y avoir des meurtres. Si voilà, il y avait accès à... Si les salles communes étaient ouvertes à tous, quoi. En route pour de nouvelles aventures ? Ils sont trop hardcore pour des points. En plus, ça leur sert à rien. À la fin, il y a quoi? Qu'est-ce qu'ils ont à la fin? Oh! Mais t'es là, toi! Je sais plus où je dois t'emmener. Vraiment. Je veux bien. Hein. J'ai tout oublié. Donc, on va se promener. Et puis, on va voir si je fais ça. Bah non. Il y a un coffre, là. Que je ne peux pas ouvrir. Mais ouais, à la fin de l'année... Imaginons, oh non, non, on s'en fout, bref, une maison a les points et gagne. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce que ça fait? Sans ray tracing ou DLSS, mais je sais jamais, je connais jamais les trucs. Je demandais à Royal, mais il m'a dit, mais si, mais t'as des options. J'ai dit, ouais, bah faudrait que tu me les montres. Il dit, ok, on fera ça, et puis on l'a pas fait. Du coup, c'est sa faute. Voilà, si, j'ai streamé Nike, c'est sa faute. Elle était où? Elle était où le tableau? C'est pas si loin quand même. Réveillon. Ah merde! Oh non, j'ai perdu mon piaf! C'est pas un piaf, c'était un papillon. Ah merde! J'ai oublié où il était le tableau. Je sais plus.
Je suis jamais intéressée. Ouais, mais en fait, ce que j'ai vu, hein, c'est que c'est pas ma CG qui galère. C'est plus le pros. De ce que j'ai constaté. Du coup, je sais pas quelles options, mais... typiquement, c'est pour ça que ça galère dans les endroits où il y a du monde. Et dans les cinématiques, c'est que j'ai l'impression... Enfin, de ce que j'ai vu, mais après, j'ai pas fait des vrais tests. J'ai juste pu m'en rendre compte tout à l'heure en lançant live. Non, bah, je sais pas. Ouais, j'aide à sortir des pétrins et après je demande des thunes et après je suis détesté et après je rigole. Me contente de mentir. Bon, bah tant pis, on verra ça plus tard. Je vais essayer de mettre. J'essaie de mettre un petit point sur la carte. Il y avait une quête là. La personne est partie. Ah. Je pensais que les PNJ qui donnaient des quêtes, ils restaient là toute leur vie jusqu'à ce qu'on vienne prendre leur quête. Genre, ils ont d'autres trucs à faire. Mi-tout. Bon allez, je vais voir le professeur Fig, on va voir ce qu'il nous veut, et après on fera des petits trucs secondaires. C'est ici qu'il y avait le tableau. Je sais plus du tout. J'ai plus de son, bordel, pourquoi j'ai plus de son? Vous avez du son le reste du stream? Normalement oui, mais ça me fait peur. Ok, c'est juste là. Ah, ça doit être là alors. Qu'est-ce que c'est? Professeur Fig, comme si mon emploi du temps n'était pas assez rempli, le ministère m'a chargé de m'occuper de l'accueil d'une jeune personne qui viendra étudier à Poudlard en 5e année. Rien que cela, le professeur Wesley maintient qu'elle aura besoin d'une escorte et d'un mentor pour lui apprendre les bases avant la reprise des cours. Je vous confie cette tâche. Allez voir le professeur Wesley pour en savoir plus. Professeur Phineas Nigelus Black, directeur. Tout le monde le déteste, lui. Oubliez pas de me rappeler, quand il sera presque 23h, on regardera le Nintendo Direct. Voilà, je vous redemande... Oh, il y a un coffre. Un max de loot avant. Les emplacements d'équipements sont presque pleins. Pensez à en vendre ou à en retirer des équipements superflus. Oh, bon... Non, mais please. Lunettes monture étrange en argent. Non mais on est limité en équipement, mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Mais c'est légendaire en plus ça. Mais c'est génial! Let's go! Ça ressemble à peu près à ça la monture qu'on peut avoir avec les drops, sauf que je crois qu'elle est dorée. Aucun regret. Ok, meilleur accessoire. Le jeu a du son. Vous l'entendez pas du tout? J'ai peut-être un peu trop baissé? Moi, je l'entends bien. La soirée miroir d'hier, j'avais que le son et pas l'image. Ah oui, d'accord. Hein? Pourquoi je suis par terre? Ah, j'attends qu'il arrive, du coup j'ai attendu par terre devant son bureau comme putain de groupie. Devant Webedia, quoi. Contente de vous voir. Moi de même, ravie de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls après Oulard? Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre, comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrok s'est servi sur le dragon. Mais comment? Et les trolls? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrok parler avec Victor Rockwood. Ranrok était après Oulard, avec Rockwood? C'était une distraction envoyée par Ranrok pour que Rockwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi si Sirona et les clients des Trois Baleines n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. Perspicace! Tiens, on va demander un petit peu d'infos. En parlant du coffre, pensez-vous que Ranrok collabore avec des gobelins de Gringotts? J'en doute. Les gobelins de Gringotts ne sont certes pas des plus amicaux, mais on ne fait pas plus intègre. Non, considérant ce qui est arrivé à ce pauvre banquier,
Jamais ces gobelins ne suivront Ranrok. Ok. Ranrok et Rockwood. Mais je confonds les deux, en fait. Ils veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Oui, oui. J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve plus exactement. Ah, il y a des bulles. Et légèrement plus loin. Ou alors c'est la sueur de je nous. Je vois des traces de magie sur la carte. Ouais. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va. Votre enthousiasme vous honore. Et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais quoi ? Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette. Et qui, Myriam ? J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Hecate. Mais monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre. Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre. La bibliothèque n'est pas dangereuse, il y a du bordel là-dedans. Prêt à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Ok. Je vais prévenir le professeur Hecate de votre venue. J'ai toujours ma baguette, hein. C'est sûr. Non, non. Revelio. Mais toi, je dois t'amener où ? On va retester. Lumos. J'ai entendu dire que tu protégeais Préolard des trolls. Ne va pas non plus risquer ta peau. Y a un message caché. Hein. Est-ce qu'il y aurait pas un passage ? Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la. Tu as gagné une bataille, mais pas la guerre. Palo ne. Ah, mais c'est lui que j'aime bien. L'occasion de se battre. Omnisgoth. Gunt. Lui, je l'aime bien, lui. C'est le bro. C'est le bro. C'est quoi, ici? Les chiottes. Bon, je vais retrouver. C'était... Non. J'ai pas le temps, le chat. Je sais que c'était en bas. Parce que c'était très tôt quand je suis arrivée dans toute cette partie du châtel. T'as des trucs... Ah oui, il fait voler ses bouquins. Ah, chou. Ah là, il y a deux chats. Deux petits chats. Ah, il est là. Protego. LED. Faut que j'aille du coup enlever des éléments de mon inventaire et les foutre. J'ai un coffre alors chez moi ? Comment ça ? Il me dit faut que vous en vendiez. Je veux pas. Moi je veux tout garder hein. Je veux tout hein. Bon d'accord. L'avantage c'est qu'on a les transmos. Quand on les lunettes légendaires. Moi je peux changer d'apparence et je peux faire en sorte qu'on le voit pas. Mais bon j'ai choisi une nana qui a un air blasé tout le temps. Ouais pas dû hein. J'avoue c'était pas le meilleur choix. J'aimais bien. Maintenant, j'aime moi. Oh, ces petites lunettes sont pas si mal. Alors, attendez. C'est peut-être pas mal avec le chapeau. J'ai une nouvelle écharpe. Si elle est mieux, je vais la changer. Ah oui, elle est mieux. En plus, on peut mettre des attributs. Faire des améliorations et tout et tout. Ok. Je vais l'équiper. Oh, je vais peut-être garder le motif, non ? Oh. Je sais pas. Ah, ça aussi, je peux faire en sorte qu'on la voit pas. Non, finalement, l'apparence, c'est bien. Quoique là, ça flotte un peu plus. C'est moins dans mes vœux. Ok. Et je crois que j'ai eu des nouveaux gants aussi qui sont mieux. Yep. Tout à fait.
On soit Guy aussi, hein. Oh, j'aime bien ce... Oh, ce style de bout de doigt coupé. Ils sont beaux, ceux-là. Ok. Ok. Et pourtant, choisi pour ça. Ouais, mais en fait, je pensais que... Ouais, je sais, je savais pas. Je voulais pas prendre le même visage que j'ai vu beaucoup de gens prendre. Je voulais changer un peu. Mais bon, c'est trop tard, hein, maintenant, je suis choisi, hein. On lui mettra des lunettes. Et quand je pourrais, je lui mettrai des petites lunettes noires, là, comme ça. J'aime trop les toutes petites lunettes comme ça, mais toutes noires. Ça, j'aime trop. Et là, elle aura du charme. Et son côté blasé avec ses lunettes, ça fera ultra stylax. Voilà. Ah oui, l'inventaire, c'est ça que je voulais voir. Mais genre, aller dessus, à pas assez de place. Peut-être que plus tard, tu peux acheter des slots. Peut-être. Ok, pour l'inventaire, c'est Resident Evil. Ouais, mais alors l'inventaire, oui, il... Bah non, c'est pas Resident Evil du tout, qu'est-ce qu'il raconte? En fait, dans Resident Evil... peut-être qu'il y aura ça après, mais là, pour le moment, j'ai pas l'impression. C'est pas un équipement égal un slot, c'est selon la taille de ton équipement. Du coup, typiquement, t'as un fusil à pompe sur toi, il prendra genre 4 carrés là, plus 2 là. La forme du fusil à pompe, tout simplement, tu le vois dessiner, tout ça. Du coup, faut que tu organises ton inventaire pour réussir à tout caser, et si t'y arrives pas, c'est que là, c'est mort, t'as trop de trucs. Mais du coup, il y a quand même un coffre dans Resident Evil, où tu peux stocker les trucs, dans les derniers en tout cas, je sais plus, normalement t'as... Même dans les ceux d'avant, il me semble. Du coup, je vais voir si j'ai un coffre où je pourrais stocker des trucs. Mais après, je me dis finalement, vu qu'il y a des transmos, et qu'à chaque fois que tu chopes un élément d'inventaire, t'as sa transmo, peut-être que je pourrais tout vendre, en fait. En vrai. Je vais peut-être juste aller vendre, hein, les vieux équipements, parce que je garde leur apparence. Donc si je veux un équipement avec cette apparence, bon bah je m'en fous. Une fois que je l'ai looté, je la débloque. T'as pas du tout l'inventaire de Resident Evil. Bah ouais. Ça râle les sexes. J'adore au lieu de sexe, ça râle les sexes. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Je le verrai. Là, on a une mission secondaire, on va y aller. Et on va aller en ville, peut-être vendre des trucs. Et voilà. Des animagies. Animagies. Ah, mais c'est le cours qui veut que je fasse. Mais il y avait pas d'autres quêtes secondaires dans le sur la map là. Je suis passée à côté d'une quête secondaire tout à l'heure et je l'ai pas fait. Bon, on va faire ça. Ah. Je suis là pour apprendre le nouveau sort, professeur. Bien. Le professeur Fig m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Ah, c'est une surprise. Vous allez donc devoir apprendre Incendio, le sortilège de feu. Attendez, pas en plus, c'est au moment où on dit... À brûler des toiles d'araignée. Ah, Incendio. Et, lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre les personnes mal intentionnées. Je vais les cramer. C'est pratique. En effet. Mais avant de commencer... Le bien mon look, là, n'empêche, non? Que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Nous commencerons le travail sur Incendio. Bah oui, on sait que les profs ils ont Twitter. Hein. Ils bavent même sur le dos de leurs élèves dessus. J'aime beaucoup le chapeau. Eh, le chapeau, là, ce côté chapelier, il est sublime. Hein. J'adore. Il est incroyable. C'est vous qui êtes incroyable. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Gagner 2 manches de joutes magiques. Terminer un entraînement aux enchaînements de sorts avec Lucan Battleby. Barbie. L'existence de joutes magiques n'est pas vraiment un secret. Ah, c'était ça qu'elle me disait. Parce que j'écoutais à moitié. Ok, bon bah très bien. Bon, on va faire ça. Il y a un coffre du coup soi-disant ici. Mais il est en haut. Il est en hauteur en fait, non? Ouais, ça a l'air d'être ça sur la carte. Mais peut-être que je peux y accéder en passant par là. Ah mais non, c'est verrouillé.
qu'on avait déjà pu constater. Bah, ce sera plus tard alors. Certainement. Ce guide du sorcier est bien pratique. Oui. Je suis ravie de voir. Les madame statues là, elles nous parlent toujours leur curriculum quand on passe devant. On s'en fout, hein. Vouloir être désobligeante, je ne désoblige personne. Chaton! Et ben voilà, oui, c'est pour ça que je pensais à Chapelier. Tout le monde sont sur le jeu aussi, oui, peut-être. Je sais pas, effectivement, personne ce soir. Je vois pas le nombre de viewers, parce que j'ai tout fermé Twitch. Mais je constate qu'on doit être 3, quoi. Peut-être que si je passe... Ah ouais, non. Non, bon. Ça on débloquera plus tard. Alors, Barbie. Ok, faut que je me casse d'ici. Peut-être en passant par là, tout simplement. Mais en tout cas, j'ai mis un @everyone, tout ça, hein. Là, c'est vrai, j'y ai pensé, hein. Avec moi, c'est rapide. Oui, voilà, oui, bon, on est 3, c'est ça. C'est ça. Ah mince! C'est ça? Toilette hantée, c'est l'œil et Mimi Gignade? Serait l'un des endroits préférés de Pives pour faire des farces, il vaut mieux. Ah non, c'est les toilettes où l'autre fait des farces. Il vaut mieux les éviter. À moins d'être dans une situation désespérée. Aïe, Morfufu! C'est vrai que t'étais là. Bah merci. C'est mignon. Attendez, il y a des trucs là. On a des trucs à l'extérieur. On va fouiller les chiottes. J'aime bien hein, le tuyau comme, les tuyaux comme ça. Il y en a qui se mettent bien ici. Putain, moi aussi je vais faire une soirée toilette. Oh, les chiottes de luxe. Bon, Marcel, les chiottes de luxe. Oh, la thune, c'est bien. Ouais, je m'en doutais. Ouh, la salade de ouf. C'est toi là, il y a un réveillon ici, c'est ça? Oui, hein! Sorcier Lachlan, le maigre. Un sorcier grand et mince qui semble assez fier de lui. De quoi exactement personne ne sait? Bah, d'avoir sa propre statue, genre. Je sais pas ce que j'ai à faire avec ça. Réveillon, Lumos. Ah, ça lag, ça me saoule. Je vais m'éloigner. Est-ce qu'en changeant de zone, ça lagra moins? Non, là j'ai perdu mes FPS là. Je les ai perdus, c'est foutu. Ah, c'est bon, je les ai retrouvés. À peu près. J'ai pas de soirée de toilette, ça sent le bail chelou de Serpentard. Mais tu parles, il y avait full bouffe, c'est un truc de pouf souffle, hein. Pas genre, hein. Lucan est juste là. Ah, bonjour. Attends, je fais des trucs, genre ça. Et si je fais ça? Trop forte la meuf! Qu'est-ce que tu racontes, Sébastien? Ça va, tranquille? Bon, d'accord, je vais parler à l'autre. Alors, on va faire un concours de joutes. Hein. Je sais plus comment on fait, mais je vais trouver. Sébastien m'a demandé de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien t'a fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour joutes magiques, une sorte de club de duels.
C'est uniquement sur invitation. C'est tu as dû faire privé. Se parler deux fois, je vais éclater sa mouille en duel. Donnez une leçon. Je crois que j'ai un don pour les duels. Eh bien, dans ce cas, tu es au bon endroit. Comment se déroule une manche de joute magique? Tu arrives et je t'associe à un autre duel. Oui, c'est très très loin de la réalité, Sam. Celui qui est à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur dueliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse? C'est censé se passer dans les années 1800. Même les looks, ça va pas du tout. Rien que hier, quand on était après Hollard, là, qu'on voyait les looks des personnages, c'était des looks des années 50-60, quoi. pas du tout des années 1800. Allez, let's go. Bien sûr, les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, c'est vrai que les toilettes, j'avoue que les toilettes sont complètement, sont beaucoup trop modernes. Avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec j'avoue qu'il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Alors, tu veux entrer sur le terrain ? Ni perso, ni fringues, ni accessoires, ni décors, ni le langage. Parce que c'est con, mais dans beaucoup de jeux, on essaye de nous faire croire à une époque, genre les RPG médiévaux, on va essayer d'avoir un certain langage aussi. Là, les steaks, hein, vraiment. Donc c'est un peu dommage. Dans ce cas-là, bah, pourquoi avoir mis ça vraiment aussi loin dans le passé? Pourquoi ne pas avoir mis ça après Harry Potter, tiens, limite, comme ça, vous... passe. Fais-moi entrer. Épatant. Que le feu d'artifice. Alors c'est peut-être pas pratique, mais avant, en fait, tu peux mettre ça avant, dans les années 90, ça passe. Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. D'accord. Difficile, hein, c'est un jeu où les gens parleraient ultra soutenu. Donc je peux... Non, non. En fait, c'est toute une question d'ambiance. C'est pas spécialement ultra soutenu. C'est juste que là, c'est vraiment beaucoup trop récent. Comme je dis, hein, c'est con, mais tu joues à Skyrim. Tu vas pas avoir un langage genre de vieux François. Ça va pas être ça. Mais tu vas avoir des termes, une manière de parler, une manière aussi de s'adresser aux autres qui va être... Qui va correspondre, quoi. Épatant, c'est les années 50. Pas 1800. Enfin, le mot existait peut-être, hein. Non, c'est plus une manière. Une manière de parler. Même plus qu'un langage, vraiment. Enfin, voilà, c'est tout en tout, en fait. Même sur les lettres qu'on reçoit et tout ça, genre, on ressent pas du tout, quoi. Bref. Mais oui, non, je sais pas. Ça colle pas. Briser les boucliers à l'aide du sort de contrôle. Comme le sortilège d'évitation des vieux sauts. Le voyage permet d'un... Ok. Ok, d'accord. R pour changer de cible. D'accord. Comme sur... Eh oh, j'ai visé. Attends. Allez. Ça marche pas. Si. Attendez, mais j'arrive pas à me protéger. Pourquoi ça marche plus? Non, mais c'est elle que je visais. Oh, mais je comprends rien. Pourquoi mon sort de protection, il disparaît quand je suis dans ce combat? Ça avait l'air difficile. Est-ce que tu veux réessayer? Non, attendez. Peut-être plus tard. Comme tu veux. On va changer ça. Ça va pas du tout. Rebellion. Actio. Ok, comment je remplace? Moi, je veux mon sort de protection, mais en combat, je n'y ai pas le droit. Rebellion. Vous voyez ce sort-là? Protego. En combat, j'arrive pas. Bon, je sais pas, je vais retenter. Ah, c'est où les joutes? C'est là? On va retenter. Bonjour, Lucan. Je voulais te parler de joutes magiques. Ah, regardez qui voilà. Alors, tu veux retenter ta chance? Fais-moi entrer. Voilà ce que je voulais entendre. Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Et d'accord. Les vieux sauts. 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 Les vieux sauts.
nul. Alors que... Ça avait l'air difficile. Est-ce que tu veux réessayer? Oui, je n'ai pas dit mon dernier mot. Parfait. Non, c'est plus efficace ça. Oh merde! Ils attaquent que moi. Ouais, ça marche mieux comme ça. Voilà. Ok, ok, ok. J'ai trouvé la strat. Les Vioso, ça me gonfle. Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. Oui, bah j'ai dû retenter 6 fois. Si tu continues comme ça, tu pourrais devenir la prochaine championne de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. D'ailleurs, le deuxième duel peut commencer quand tu veux. Et en tant que membre à part entière, tu as désormais accès au mannequin d'entraînement officiel de joutes magiques. C'est un bon moyen d'apprendre des combinaisons de sorts. Viens me voir et je l'installerai. Ok. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique. Beau travail. Cette première victoire dans Joute Magique ? Dans les Joutes Magiques ? Faut que je gagne une autre manche, je vais essayer de le faire tout de suite. Ravi de te revoir. Il faut que je fasse des parades parfaites. Et là, ça va. Bonjour, Lucan. Est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de joute magique? Tout à fait. Je t'ai préparé un super match. Tu veux refaire un combat? Les termes super match, désolé, hein. Sans tomber dans le trop soutenu. Mais quand t'es, si t'es en début 1800, ça colle pas. Hein. Superbe. Et pas match, du coup. Une superbe rencontre, éventuellement, et encore, c'est un peu trop sportif. Allez. Oui, allons-y. C'est dommage, quoi. Tu vas te battre avec un partenaire. Parce que c'est très basique, du coup, comme type de langage. Et puis, tout le monde a le même, en plus. Ouais, avec Seb. Oui, avec Sébastien. Bah, bien sûr, je vais pas me battre avec la Gryffondor. Pas déconner. Oh non, vous êtes où la Guy? Je ne veux pas. Désolé, vous laguez trop. Oh non, mais faut pas que ça lague comme ça, hein. Ok. C'est bon, je lague plus? Ah, elle est compliquée, hein. Je l'ai bien fait là! Effectivement, attention à mon énorme baguette! Et voilà! Bravo! J'ai donné tout ce que j'avais. Oui, j'ai vu ça. Les autres duellistes t'avaient déjà remarqué. Mais après ton dernier combat, ils tiendront à t'affronter. La strat. Tu devrais t'entraîner si tu veux avoir une chance de gagner. Ou au moins de survivre pour ton prochain combat. Je te préviendrai quand on sera prêt. J'espère te revoir. Allez, bisous. Celui qui remporte la prochaine manche gagne. Un truc là-haut. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je peux te parler, toi? On dirait que je suis éliminée. À cause de toi. Pour ça que tu voulais pas me regarder, c'était trop deg. Ah, elle est trop deg. Qu'est-ce que c'était? La porte s'est ouverte? Il s'est passé un truc? Je me suis retournée trop vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Réveillon. Ah. Si je fais la Vioso. Si je
Si je fais Lumos. Bon, c'est pas la strat là. Rébellion. De toute façon, il y a plein de sorts que j'ai pas, je pense. On le sait d'ailleurs. Petit jardin, j'y vais pas beaucoup, il y a peut-être des trucs aussi là. Ben oui, tout à fait, hein. Il y a un pouille. Certains élèves pensent qu'un vœu prononcé au-dessus de ce puits, que ce soit près du sombral, du griffon, de la chimère ou de l'hippogriffe, finit par se réaliser si la personne a réussi à gagner la confiance de l'une de ces quatre créatures. Oh! Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait quatre animaux différents, je crois que c'était quatre fois le même. Sympa. Petit moment immersion là. Petit moment immersion là, Guy. C'est quoi comme tour? J'aime bien, elle est tordue. J'aime beaucoup. Ah oui, fallait que j'aille au village, moi, pour vendre des trucs. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, des ballons à éclater. C'est comme dans Zelda. Ça. Je connais, hein. Je vais avoir une Nokorugu après. Oh, mais c'est beau! Et cette tour, je sais pas. J'espère qu'on va pouvoir y aller, parce que regardez ce swag. Dans l'herbe. Voilà, regardez ce swag. J'ai un dit. Alors. Les fleurs qui gueulent. Elles sont fantastiques. Du coup, là, je peux me promener comme ça au calme. Mais trop bien, on va aller voir ce que c'est que ces ballons. Oh, un lac. Oh, mais le lac, c'est là où il y a mon école. Oh non, mais les ballons d'abord. Là où il y a mon école et là où il y a ma salle commune. Mon dortoir. Le jeu il veut pas, hein. Dommage. Il y a peut-être un truc à faire quand même. Ensuite. Je voulais voir le lac. Parce que je peux nager, hein. On a pu le tester. Mon perso sait nager. Ouais, des bébêtes. C'est sympa. Dommage, on peut pas interagir avec les animaux. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Oui. On est juste dans la comté, en fait. Je pense que oui. Monsieur ? Je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock iraient aussi loin. Excusez-moi, est-ce que tout va bien ? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fonds de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Ranrock et ses fidèles n'épargnent personne. Ils vous ont attaqué ? C'est moi où la voix va pas du tout. Aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale, mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout ma peinture. J'ai l'impression d'entendre vraiment clairement le gars près du micro respirer. Je n'arrive pas à... Là, ça va pas. Il y a un problème avec ce doublage-là. Les fidèles de Ranrock vous ont déjà attaqué de cette manière ? Ils me raillent et me menacent depuis quelque temps déjà. Mais, à leurs yeux, la violence est le seul moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. La situation s'est envenimée dernièrement.
Ranrok est de plus en plus puissant et ses fidèles le savent. Il se sent invincible. Ranrok pensait que tous les gobelins le suivraient, mais il avait tort. Bon nombre d'entre nous aimeraient une solution diplomatique à notre conflit. Vous avez dit que vos peintures avaient disparu. Vous êtes peintre ? Ah oui, c'est ma passion. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour un gobelin, la majorité de ma famille travaille dans le métal ou à Gringotts. Je serais prêt à parier mes plus beaux pinceaux que les fidèles de Ranrok n'en ont rien à faire de mon art et en feront du petit bois. Sans mes chariots et mon gagne-pain, qui sait quand je pourrais peindre à nouveau ? Ok, on va l'aider, hein ? J'essaierai de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement, au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Ça veut dire que quand on va casser la gueule au gars de Ragnarok, là, Ragnarok... Même si les circonstances auraient pu être meilleures. Les chariots partiront tout seuls pour revenir à leur propriétaire. Oh, on peut... Attends, on va vendre des trucs et acheter. Moi, je peux vendre ce que je veux à qui je veux. Comme dans Super Bonjour, Punk. Monsieur. Que vendez-vous ici ? Bonjour, je m'appelle Jalal Semi et vous êtes dans ma boutique de potions. Je peux répondre à toutes vos questions. On n'est pas dans une boutique, on est dans dehors. Qu'avez-vous à vendre ? Je ne vends que des potions et leurs ingrédients. Je dis toujours que si une potion ne suffit pas, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Mes ingrédients sont locaux et je fabrique mes potions en gardant la santé et la sécurité de mes clients à l'esprit. Est-ce que les produits sont issus du commerce équitable ? Vous pourriez me parler de vous ? Voyons voir. Je suis le meilleur potionniste de Campolar en bas. Mais fut un temps, je n'étais qu'un simple élève de Poudlard. Campolar en bas. D'ailleurs, je vais vous faire laisse-moi deviner, il n'y en a qu'un vendeur de potions. C'est-à-dire le prix normal. Mes prix sont déjà suffisamment bas. Ah, les rumeurs, tiens. Y a-t-il des rumeurs qui circulent en ville ? Vous avez sûrement remarqué que nous avons développé une rivalité avec Campolar en haut. Rien d'extraordinaire, mais... Campolar en bas et Campolar en haut. En fait, Campolar en bas, c'est le meilleur endroit au monde. Qu'avez-vous en stock ? Qu'avez-vous en boutique ? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Oui, d'accord. Ok. Je peux acheter les popos toutes faites, elles sont... Ça, j'en ai acheté une, je pense. C'est combien ? Ça, c'est mes sous à moi ? Acheter ça en fait. Je vais vendre. Quand c'est vert, c'est ce que j'ai équipé, donc ce qui est pas équipé, je peux vendre. Et le, j'ai la transmo, donc c'est pas grave, on est d'accord. Hein. Je n'aurai aucun mal à vendre ça. Merci. Moi j'ai cette tenue là, moi. Moins de... Ah non, mais non, ça c'est pas ce que j'ai équipé. Ah bah non, tout ça c'est pas équipé, c'est juste... Ça me donne juste le type de tenue. Genre ça je peux vendre. Ça conserve quand même si tu vends l'item de base. Bah normalement la transmo ça sert à... C'est un peu le principe. Après bah on va voir. Hein. Autant je vends des trucs de toute façon qui sont tout pourris. Et comme ça on va tester. En toute logique, oui, surtout si l'inventaire est petit. J'espère vous revoir bientôt. C'est souvent, ça sert souvent à ça aussi. Après ce que Ranrok a fait. Qu'est-ce qu'il y a ? Les gobelins à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arn. Oui. C'est vrai, mais moi je ne suis pas étonné. Équipe main. Mais oui, normalement, bah, ça marche toujours comme ça dans tous les trucs de transmo. Qu'est-ce que j'ai vendu ? J'ai vendu un béret. Changer d'apparence. Voilà, il est là le béret que j'ai vendu. J'ai vendu aussi, je sais, bref, on n'a plus besoin de tester, j'ai vendu les lunettes d'Harry Potter, machin, je les ai là. Voilà. Is ok. Mais moi, je remarque pas du tout, j'ai pas cette fixette sur les PNJ, après je regarde tellement le décor, c'est peut-être pour ça aussi. Mais je pensais pas ça te perturber autant. Genre eux là, par exemple, bah... Quand tu vois tout le décor, ça me choque pas. Moi, ce qui me surprend plus, c'est leur comportement. Leurs animations qui sont pas incroyables.
Est-ce que un petit feu là? Qu'est-ce voilà. Ok, on va save ici. On va sauvegarder ici et il est moins 4, 23h moins 4, 11h moins 4, même si ça se dit pas trop. Et on va regarder le Nintendo Direct. Sauvegarder. Bisous la VO2, c'était une petite promenade. Voilà. Je sais pas si elle est lancée. Oui, je pense. Des bisous.